Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur La Vérité pour notre temps, la chaîne qui vous apporte la nourriture au temps convenable. Nous rendons grâce à Dieu en toutes choses pour ses bienfaits envers nous, du fait qu'il nous a donné Jésus-Christ son Fils pour que nous soyons sauvés. Alors pour cela, rendons-lui gloire en toutes choses pour ses bienfaits, pour sa bonté et sa fidélité envers nous. Nous souhaiterions que vous continuiez à partager ces études, comme vous le faites pour certains. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et surtout, likez, c'est-à-dire mettez un pouce à chaque fois pour que notre chaîne soit de plus en plus visible, chers amis, pour que par là même la vérité puisse être proclamée pour un maximum de personnes. N'hésitons pas à partager, c'est très important. Et comme nous le disons, prenons le temps d'écouter. Alors pour cela, justement, prenez vos papiers déjà, prenez vos crayons, vos bibles, et prenez le temps d'analyser toutes choses et de retenir ce qui est bon. Notre étude aura pour titre « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Avant toute chose, nous prendrons la position pour la prière pour invoquer la présence de notre Dieu. Notre Père qui est aux cieux, prosterné devant toi, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions pour tes bienfaits, nous te demandons pardon pour nos transgressions. Alors que ta parole sera ouverte, nous réclamons de toi l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui nous conduise dans toute la vérité. Touche le cœur de tout un chacun et intervient dans la vie de tous et que ton nom soit une fois de plus élevé, magnifié, que nous puissions croire en ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voilà une question de la plus haute importance qui doit intéresser tout véritable chrétien que nous sommes. Notez ici qu'il ne s'agit pas de la venue en gloire de Jésus sur les nuées des cieux. Cette foi qu'il nous faut avoir lors de cette venue de Jésus, c'est une foi qui nous permettra de passer ce temps de détresse qui arrive à grands pas devant nous. Une foi que Jésus nous aura rendu justice d'après Luc 18. Et à quel moment nous rendra-t-il justice? Lorsqu'il brisera le joug de dessus notre cou et qu'il fera en sorte qu'il y ait une séparation entre l'ivraie et le bon grain. Cette venue de Jésus, nous l'avons déjà décrit dans Malachie. Malachie chapitre 3, qui nous parle d'une venue soudaine de l'Éternel dans son temple, pour exécuter son jugement, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Autrement dit, rendre justice à chacun. Donc, la foi qu'il nous faut ne doit pas être superficielle. Elle doit être suffisamment forte et puissante. Et nous devrions acquérir cette foi maintenant, avant même que le temps de détresse ne commence. Donc il y a urgence, sinon il y aura péril dans la demeure. Alors nous verrons comment obtenir cette foi. Puisque, d'après le texte, la question laisse entendre qu'il y aura très peu de personnes qui auront la foi. Soyons clairs et nets. Donc nous verrons quelle démarche nous devrions entreprendre pour obtenir cette foi avant que le Fils de l'homme ne vienne. Ok? Donc notre démarche sera importante aujourd'hui. Et tout un chacun, nous devrions nous poser la question, ai-je véritablement cette foi que l'Éternel réclame de moi ou réclame de chacun de nous? Donc, si nous ne l'avons pas aujourd'hui, il nous faut la cultiver. Peut-être aussi que certains ne savent pas véritablement ce qu'est la foi. On verra au cours de cette étude, c'est quoi véritablement la foi qu'il nous faut? Qu'est-ce que cette foi qu'il nous faut? Parce que pour tout un chacun, nous pouvons dire, oui, nous avons la foi, nous avons la foi. Tant que les choses vont bien, tout le monde a la foi. Mais c'est lorsque les choses vont mal, on voit véritablement ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. C'est là qu'on mesure le degré de foi. C'est pas quand tout va bien, mais c'est au moment de l'épreuve qu'on va voir.
Donc l'important aussi, comme nous l'avons dit, c'est déjà savoir ce qu'est la véritable foi. Parce qu'il y a, foi et foi, hein, chers amis. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai foi que je vais réussir dans la vie parce que j'ai de l'argent sur mon compte en banque. J'ai foi en mon argent, en fait. Parce que beaucoup d'entre nous avons la foi pour les choses matérielles. Mais nous nous rendrons compte qu'il nous manque la foi pour les choses spirituelles. Donc ne nous trompons pas sur ce sujet. Alors soyez très attentifs, chers amis. Nous allons développer cela. Pour cela, nous allons commencer par un premier texte qui se trouve dans Romains chapitre 1, verset 17. Le texte nous dit « Car en lui, en Christ, la droiture, c'est-à-dire la justice de Dieu, est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ici, nous voyons qu'il s'agit du juste qui doit vivre par la foi. Donc, cette affirmation résume ce que dit Paul à propos de l'évangile. Et cette affirmation se trouve au verset précédent, au verset 16, qui nous dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord et aussi du grec. » Faisons une pause ici. Considérons l'évangile, les juifs et aussi les grecs. Beaucoup d'individus, lorsqu'ils lisent ce passage, considèrent que l'évangile représente Matthieu, Marc, Luc, Jean, en d'autres termes, le Nouveau Testament, et sont poussés à rejeter l'Ancien Testament. Tout cela parce qu'on ne comprend pas les choses, chers amis. On ne comprend pas. Lorsque le texte nous parle de l'évangile ici, il ne s'agit pas seulement de Matthieu, Marc, Luc, Jean ou du Nouveau Testament. Et lorsqu'on parle du juif d'abord ou du grec, l'Éternel n'est pas venu mourir seulement pour les juifs et les grecs. Il est venu mourir pour toute l'humanité. Donc c'est une manière de parler pour montrer que parce que les juifs étaient dépositaires de la loi de Dieu, donc ils s'estimaient être le peuple élu et que tout le monde était perdu. Donc l'Éternel nous rappelle à l'ordre et nous fait comprendre qu'il est venu pour le salut de quiconque croit. Donc si les prophètes n'avaient pas parlé de la foi, les premiers chrétiens n'auraient pas pu la connaître non plus. Car ils n'avaient que l'Ancien Testament. Donc c'est sur ça que les apôtres s'appuyaient, les juifs s'appuyaient, pour être sauvés sur l'Ancien Testament. Ils parlaient souvent de la loi de Moïse. Ce qui revient à dire que l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, est un remède divin au péché. Et que l'action de cet évangile doit amener tous les hommes en harmonie avec la loi, c'est-à-dire amener les œuvres de la loi de justice à être manifestées dans la vie de tout un chacun. Mais ceci se fait par le biais de la foi. C'est entièrement une œuvre de foi. Et c'est par la foi que la justice de Dieu est révélée. L'un ne va pas sans l'autre. La loi et la foi avancent de pair. Puisque si l'Éternel juge tout un chacun, il jugera sur une base, sur la base de la loi, à tel point que Jacques nous dit ceci. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc Jacques nous montre ici que la loi de Dieu n'est pas abolie. Et que, entre autres, notez que ce que Moïse a reçu comme étant les 10 commandements était un condensé ou encore un concentré de l'évangile de Dieu. Donc, nous voyons que l'évangile ne se résume pas dans le Nouveau Testament seulement, mais comprend toute la parole de Dieu qui était dite oralement, premièrement, et que c'est sur la base de la loi, par le moyen de la foi, que nous serons jugés et sauvés, ou encore trouvés dignes, que nous serons rendus justes. Puisque la foi vient
de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, est la norme. Si les prophètes n'avaient pas parlé de leur foi, nous qui sommes là aujourd'hui, nous n'aurions rien connu, nous n'aurions pas connu l'Évangile non plus. Donc revenons maintenant sur la suite du texte, puisque ici, Paul nous dit, lorsque nous reconsidérons le verset 16, qu'il n'a pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. En d'autres termes, Paul comprend par là qu'il a en sa main un pouvoir qui vient de Dieu et qui a pour but de le sauver, qui a pour mission de le sauver. Et pour être sauvé, pour obtenir le salut, nous devons laisser cette puissance de l'Évangile agir en nous par l'intermédiaire de son Saint-Esprit pour nous sauver. Donc, encore une fois, il y a un vrai pouvoir dans l'Évangile. Il y a quelque chose de très puissant dans l'Évangile que nous n'avons pas encore compris qui fait que nous sommes si faibles aujourd'hui en tant que chrétiens. Qui fait que nous ne croyons pas aux promesses de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cette raison aussi que lorsque nous prions, nous n'avons pas de réponse parce que nous n'avons pas confiance en cet évangile. Nous ne croyons pas que cet évangile a une puissance. Donc nous aurons beau prier vitam aeternam, rien ne va se passer parce que nous n'avons pas foi en cette puissance. Nous disons connaître l'Évangile, mais nous ôtons la puissance de l'Évangile. Comment nous ôtons la puissance de l'Évangile? En faisant par nous-mêmes ce que l'Esprit Saint aurait pu faire. Donc ça prouve ici que souvent, nous n'avons pas de foi en Dieu, en la parole, mais en nous-mêmes. Pour quelle raison encore? Parce que lorsque nous disons au Seigneur de prendre un problème sur lui, le plus souvent, lorsque nous lui soumettons ce problème, nous avons une formule toute faite qui n'est pas convenable. Et c'est quoi la formule? Seigneur, aide-nous à résoudre ce problème. Aide-nous à faire telle chose. C'est vrai que nous pouvons dire, Seigneur, aide-nous à te ressembler. Mais lorsque nous soumettons à Dieu un problème, pourquoi nous ne devons pas lui dire, aide-nous? Parce que lorsque nous lisons, aide-nous, ça veut dire quoi? Seigneur, fais une partie, je fais une partie. Ou encore, je peux y arriver par moi-même. Je suis capable de m'en sortir, mais j'ai besoin que tu me donnes un coup de pouce. Ce qui revient à dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Cette formule est une formule païenne que nous ne devons pas employer en tant que chrétiens. Notre formule doit être, Seigneur, je ne peux pas prendre le problème sur toi. Et souvent, nous donnons à Dieu le sac de problèmes, mais nous voulons apporter une anse du sac avec l'Éternel. Non. C'est parce que nous n'avons pas la foi que l'Éternel peut porter le sac tout seul. Nous n'avons pas foi que l'Éternel est capable de porter tous nos problèmes sur lui. Donc nous voulons toujours l'aider. Il veut que nous comprenions que c'est lui qui doit faire, ce n'est pas nous. Nous n'avons aucun pouvoir de faire quoi que ce soit de bon. Et c'est là notre manque de foi, notre manque de confiance en Dieu. Parce que nous pensons toujours que nous sommes capables de réaliser quelque chose par nous-mêmes. Alors qu'il nous dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis », nous lui donnons une partie et puis pendant la semaine, nous réfléchissons sur le souci. Nous mijotons le souci, nous le mangeons à toutes les sauces. Matin, midi et soir, nous allons nous coucher, le souci est là toujours, le problème est là toujours. Parce que nous ne croyons pas, nous n'avons pas foi que l'Évangile est une puissance.
et que Dieu, à travers cet évangile, à travers cette puissance, est capable de réaliser pour nous ce que nous ne sommes pas en mesure de faire. Donc nous avons une puissance entre nos mains que nous ne savons pas utiliser, ou encore que nous ne voulons pas utiliser comme il faut, ce qui fait de nous des gens faibles dans la foi. Nous nous disons chrétiens, mais nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous ne croyons pas que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit dans sa parole. Réfléchissons un instant. Comment avons-nous fait ou comment faisons-nous pour avoir confiance en quelqu'un? C'est parce que nous prenons l'habitude de collaborer avec la personne, de passer du temps avec, de mieux le connaître, qui fait que nous arrivons à avoir confiance en cette personne. C'est pareil pour Dieu. Si nous disons croire en Dieu et que nous ne passons pas du temps avec lui, comment pourrons-nous avoir confiance en lui au moment de l'épreuve? Comment pourrions-nous avoir foi qu'il nous délivrera, qu'il viendra à notre secours? Ce ne sera pas possible. Nous aurons toutes les difficultés du monde à y parvenir. Parce que nous ne sommes pas habitués à travailler avec lui, nous ne sommes pas habitués à collaborer avec lui. Donc, dans la difficulté, ce sera un problème pour nous. Nous nous trouverons dans un stress aigu, etc., parce que nous n'avons pas pris l'habitude d'avoir cette collaboration avec Dieu. Nous ne croyons pas au pouvoir de sa parole, nous ne croyons pas en son pouvoir, en quelque sorte. Et aujourd'hui, nous faisons confiance à l'homme. L'homme nous dit une parole, nous y croyons, nous allons répéter la parole sans savoir si ce que l'homme a dit est vrai ou pas. Tandis que Dieu nous dit des choses dans sa parole, nous remettons en doute sa parole alors qu'il est Dieu. Voyez notre problème aujourd'hui? Donc, nous avons plus confiance en l'homme qu'en Dieu. Et là est notre problème de foi. Si l'évangile est une puissance pour le salut, pour me sauver, c'est que l'évangile est en quelque sorte le remède de Dieu pour le péché. Ok, chers amis? Donc cet évangile est un remède pour chacun de nous. La première question est la suivante. Comment nous considérons-nous? Sommes-nous malades ou pas? Donc si nous sommes malades, la démarche logique, c'est de prendre le remède. Maintenant, si nous ne sommes pas malades, ce qui en résulte, c'est que nous considérons que nous n'avons besoin de rien. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas la condition d'une église qui estime qu'elle n'a besoin de rien alors qu'elle est pauvre, qu'elle est misérable, aveugle et nu? En quelque sorte, ça voudrait dire qu'il y a effectivement des gens qui sont malades et qui ont besoin de médicaments, mais qui refusent de prendre le médicament. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, chers amis, de considérer que nous sommes bien portants et que nous n'avons pas besoin d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. Que nous n'avons pas besoin du médicament alors que l'Éternel lui-même nous dit d'acheter de lui ce qu'il faut, l'or éprouvé par le feu, le collyre, etc. D'acheter de lui toutes ces choses. Donc il y a un sérieux problème ici lorsque nous considérons que nous n'avons pas besoin du remède. Rappelons-nous que l'Évangile est la puissance de guérison, la puissance de salut, autrement dit, la puissance qui nous permet d'être, de rester sauvés si nous y croyons. Alors, l'autre question est, comment pensons-nous y arriver sans le médicament? Et c'est ce qui se produit souvent. Nous estimons que, du moment où nous avons connu Christ, nous l'avons accepté par le baptême,
nous avons acquis une base. C'est-à-dire que l'enseignement que l'on nous a donné, nous avons estimé que cela nous suffit et que nous sommes déjà guéris d'office. Donc forcément, nous ne ferons aucune démarche parce que on nous a laissé entendre que nous sommes déjà sauvés. Oui, c'est un fait. Nous sommes sauvés officieusement. Mais officiellement, ce n'est pas encore le cas. Il nous faut la foi pour rester sauvés. Et c'est là ce que nous n'avons pas compris. C'est là ce qu'on ne nous dit pas lorsque nous nous baptisons. On nous fait comprendre que baptiser égale sauver d'office. Non, sans le moyen de la foi, l'individu qui a décidé d'entrer au service de Dieu et qui ne continue pas sa démarche d'étudier la parole, de comprendre la parole, ne peut rester sauvé si sa foi n'est pas mise à l'épreuve à travers les promesses que l'Éternel a données dans sa parole. L'Éternel a payé le prix pour nous. Mais si nous ne croyons pas à la réalisation de tout ce qu'il a dit dans sa parole par la foi, ce salut est caduc. Ça voudrait dire que nous perdons notre temps en pensant que nous sommes sauvés alors que nous sommes totalement perdus. Donc c'est ce qu'on nous a fait croire, que nous n'avons plus rien à apprendre. Nous n'avons pas à sonder la parole de Dieu, nous n'avons pas à connaître les principes de l'Éternel, c'est-à-dire le plan que l'Éternel a mis. Ou encore, on nous a fait entendre que le seul plan que l'Éternel a en vigueur, c'est son retour en gloire. Alors qu'il y a plein d'événements qui doivent prendre place avant le retour en gloire de Jésus et avant la mort et l'image de la bête. Ce n'est pas la première fois que nous le disons. Mais dans ce cadre-là, il nous faut comprendre que si nous rejetons le remède, ça veut dire que si nous gardons en quelque sorte une partie de la vérité, que nous rejetons l'autre partie, nous ne pouvons pas estimer être sauvés, ce qui revient à dire que nous n'avons pas la foi. Ou encore, nous voulons utiliser le médicament pour guérir d'autres personnes, alors que nous-mêmes, nous ne l'avons jamais testé sur nous. Encore, voilà encore un problème. Nous voulons toujours aller sauver les autres alors que nous-mêmes, nous sommes totalement perdus. Alors que nous-mêmes, nous sommes dans le coma, nous ne nous rendons même pas compte. Parce que simplement, nous pensons qu'avoir le médicament, avoir la parole, fait de nous des sauvés déjà. Avoir le remède, c'est fait de nous des sauvés. Non! Nous pouvons avoir la parole à notre disposition, mais cette parole ne fait aucun effet sur nous. Ce remède ne fait aucun effet sur nous. Si nous ne le prenons pas, si nous ne le consommons pas, il ne pourra rien faire pour nous. Donc Christ est le remède qui est capable de nous délivrer de toutes nos frayeurs, de toutes nos difficultés, de tous nos problèmes. Mais en fait, nous utilisons Christ comme un guichet automatique. C'est quand nous avons besoin de lui que nous l'appelons, que nous allons chercher l'argent en fait. Christ ne fonctionne pas comme ça, chers amis. Christ fonctionne fidèlement avec celui qui est fidèle aussi avec lui. Vous allez me dire, mais l'Éternel fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Oui, c'est un fait. Mais comprenons bien ce que la Bible nous enseigne. Prenons quelques exemples pour cela. Prenons d'abord l'exemple de Daniel. Daniel chapitre 6. Vous vous rappelez l'histoire de Daniel. À un moment donné, Daniel a été mis dans la fosse aux lions. Et le roi, au verset 20 de Daniel 6, nous dit, « En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel dit, « Ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions
qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Donc, l'Éternel nous donne une leçon ici pour nous faire savoir que si nous sommes fidèles, il est fidèle. Si nous nous trouvons dans une difficulté, nous n'avons rien à craindre parce qu'il a le moyen de nous en sortir de cette difficulté. Et de même qu'il a délivré Daniel de la gueule des lions, il est capable de nous délivrer de toutes nos difficultés aujourd'hui. Alors pourquoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Nous flippons, nous stressons parce qu'il y a un temps de détresse qui arrive. Nous stressons parce qu'il y a une guerre. Nous ne savons pas comment nous allons faire, comment nous allons nous diriger. Chers amis, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Donc, notre foi doit nous amener à croire que Dieu ne sera pas contre nous si nous marchons fidèlement avec lui, si nous sommes fidèles dans sa parole, si nous croyons à toutes ses promesses, il sera pour nous et non contre nous. Donc vous voyez que pour avoir la foi, il nous faut croire que ce Dieu que nous avons est un Dieu super puissant qui est capable de nous délivrer non seulement de la fosse au lion, mais de nous délivrer de toutes nos difficultés. Souvent, nous lisons des passages dans la Bible, mais nous ne mesurons pas la portée de ces passages. Et David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, dans Psaume 46, à partir du verset 1, nous dit, « Dieu est pour nous quoi ? Un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Donc, de quoi avons-nous peur ? Nous avons Dieu pour abri, nous avons Dieu pour secours, et souvent, lorsque nous voyons un chien, nous courons pour le chien. Non, lorsque nous voyons un ravet, nous courons pour le ravet. C'est pour illustrer comment nous sommes faibles, chers amis. Comment nous sommes faibles, et nous nous disons servir un Dieu qui est fort. Nous courons devant un ravet, nous courons devant une araignée. Comment pouvons-nous résister au mal? Comment pourrons-nous avoir la foi dans la difficulté alors que devant des petits insectes, nous battons en retraite? Vous comprenez notre situation aujourd'hui? Le verset 2 du Psaume 46 nous dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Pour quelle raison? Parce que Dieu est pour nous un refuge et un appui. Si nous ne faisons pas de ce refuge et de cet appui quelque chose de quotidien, si nous ne faisons pas de ce Dieu-là notre refuge et notre appui régulièrement, effectivement, lorsque les choses deviendront difficiles, nous paniquerons. Nous nous trouverons en grande difficulté. Donc, le verset 2 reprend et nous dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ne sommes-nous pas dans une période où la terre commence à être bouleversée de plus en plus, chers amis? Nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre, nous voyons différentes choses. Nous voyons que le gouvernement maintenant veut nous opprimer, veut nous oppresser, prendre tout ce que nous avons comme argent, comme bien, etc. De quoi nous avons peur? Et même s'il nous faut perdre ce que nous avons, si c'est le plan de Dieu, pourquoi devons-nous craindre? L'Éternel nous dit, croit qu'il ne nous abandonnera pas. Le verset 7 nous dit, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. Nous avons un médicament là, nous avons un remède par excellence qui est Jésus-Christ, chers amis, qui va nous guérir de toutes nos peurs, de toutes nos détresses, de toutes nos afflictions, de toutes nos maladies. Mais nous ne prenons pas ce médicament comme il faut. Nous ne voulons pas prendre ce remède comme il faut pour avoir une confiance absolue que ce remède qui est Jésus-Christ est capable de nous guérir ou de nous délivrer. Donc lorsque la fin du mois arrive, lorsque la mi du mois arrive et que nous n'avons pas, nous voyons que l'argent est déjà fini. Nous commençons à réfléchir. Nous ne dormons plus. Nous disons, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Oui, c'est normal. Parce que nous ne consultons pas celui qui est capable de faire pour nous. Nous ne l'appelons pas. Nous avons un téléphone dont la ligne n'est jamais coupée.
Nous n'avons pas besoin de payer d'abonnement pour communiquer avec lui. Mais souvent, nous oublions qu'il est là, qu'il est là. Nous oublions que la ligne est ouverte tout le temps. Mais nous nous apitoyons sur nos problèmes. Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour payer ceci? Il est vrai que nous pouvons passer par des épreuves. Et c'est là justement ce que Dieu permet pour fortifier notre foi. Donc, pour nous ramener à lui, parce qu'il connaît nos sentiments, il connaît nos cœurs, il voit que nous avons la bonne volonté, que nous n'y arrivons pas. Il nous forme. Il nous forme à travers les épreuves. Et c'est pour cette raison que lorsque nous avons des épreuves, nous ne devons pas rétorquer, nous ne devons pas nous plaindre dans les épreuves. Mais dire, Seigneur, si tu me donnes les épreuves, tu me donneras aussi le moyen de m'en sortir. Vous pensez que l'épreuve de Daniel était simple? Il n'a rien fait, on le jette dans une fosse aux lions. Daniel, qu'est-ce qu'il va se dire? Automatiquement, les lions vont me dévorer, je suis fini, c'est fini pour moi. Non! Daniel n'a prononcé aucune parole de découragement. Parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur ce remède qui est Jésus-Christ. Il savait qu'il pouvait compter sur Jésus-Christ à toute heure, à toute occasion, favorable ou non. Mais nous, comment réagissons-nous? Il suffit que nous ayons un petit problème, c'est la fin du monde. Nous manquons de confiance en Dieu. Et nous disons servir un Dieu qui est fort, qui est puissant. Nous disons toujours, oui, le sang de Jésus sur moi, le sang de Jésus. Chers amis, le sang de Jésus ne peut rien faire pour nous si nous n'avons pas confiance en sa parole. Parce qu'avant que son sang coule, sa parole a parlé. Sa parole a créé le monde. Sa parole a délivré des hommes. Avant que son sang ne coule. Donc avant de réclamer le sang de Jésus sur nous, réclamons sa parole et mettons en pratique sa parole. Parce que souvent, nous nous mettons dans difficulté, nous employons des phrases toutes faites, mais sans analyser ce que nous disons. Alors, chers amis, il est important de comprendre que ce Dieu-là n'est pas un béni oui-oui. Que ce n'est pas lorsque nous avons besoin de lui que nous allons l'agacer, lui remplir la tête pour dire « Seigneur, tu ne m'entends pas? Seigneur, ça fait un moment que je te dis ça. Ça fait un moment que je te parle. Tu n'entends pas, Seigneur? Tu n'entends pas? » Oui, c'est vrai qu'il n'entend pas. Parce que nous moquons de lui. Nous nous servons de lui quand ça nous enchante. Et lorsque la tempête arrive, eh bien, nous laissons un petit moment dans la tempête pour supporter un petit peu la turbulence, pour vomir un peu, puisque nous avons le mal de mer, etc. Pour que nous puissions réfléchir, vous dire, mais en fait, je suis en train de paniquer alors que Jésus est dans le bateau avec moi. Jésus est dans le bateau. C'est pas ce qu'avaient fait les apôtres. Jésus est avec eux, mais ils ont peur. Parce qu'ils n'avaient pas encore expérimenté la foi. Et Jésus leur a fait la remarque, mais homme de peu de foi, homme de peu de foi. Donc, chers amis, pour que nous puissions nous en sortir lorsque les difficultés arrivent, il ne faut pas simplement dire le sang de Jésus est sur moi. Il faut déjà premièrement dire, Seigneur, tu m'as donné ta parole qui est un remède. Aide-moi à prendre ce remède régulièrement afin que je m'habitue et que ce remède ne me soulage pas de mes douleurs mais me guérisse totalement et m'aide à avoir une confiance absolue que ce remède que tu es a le pouvoir de me délivrer. Donc nous avons une puissance entre nos mains mais nous n'utilisons pas cette puissance. Voilà notre problème. Voilà pour quelle raison l'Éternel dit que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce que nous l'utilisons comme ça nous enchante, comme nous voulons, pas comme il veut. Nous voulons toujours que l'Évangile se plie à nos tendances, mais nous ne voulons pas nous plier à ce que l'Évangile nous demande. Donc forcément, nous aurons un manque de foi et nous allons à un moment donné agacer Dieu. Je m'excuse de l'expression, parce que nous voulons à ce moment-là que Dieu agisse rapidement pour nous. Alors, quand nous analysons bien, chers amis, ça c'est une partie, en fait, ça c'est une partie de l'Évangile, ça c'est une partie qui nous permet de comprendre que Dieu ne nous abandonne pas. Au
continuons avec David, par exemple. David nous dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui ai-je crainte? Comme je disais, là, on a peur de raver. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui ai-je peur? Nous avançons dans la vie, mais nous craignons pour notre avenir. Nous craignons pour le lendemain, alors que l'Éternel nous dit, ne vous souciez pas du lendemain. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Je prends soin d'eux. Comment je vais vous abandonner? Non! Je ne peux pas vous abandonner. Vous êtes mes enfants. Et si je vous aime, je ne peux pas vous abandonner. Pourquoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Lorsque quelqu'un nous menace, nous craignons déjà. Nous paniquons. Nous paniquons. Gardons les bras croisés, me dit Seigneur. Prends ce combat-là, c'est à toi. C'est ton combat, je ne peux pas. Je vais perdre, parce que je vais le faire par moi-même. Mais prends ce combat-là sur toi. Si nous prenons l'habitude de donner à Dieu tous nos combats, chers amis, nous aurons une telle confiance en lui que cela deviendra une routine pour nous de dire à Dieu, Seigneur, ça c'est ton combat. Mais c'est parce que nous n'avons pas pris l'habitude de lui donner les combats. Nous nous battons par nous-mêmes. Parce que nous ne savons pas que l'Éternel est une puissance. Nous ne savons pas qu'il a le pouvoir de nous délivrer à l'instant même. Donc, quand les méchants s'avancent contre moi, dit David, pour dévorer ma chair, ce sont eux qui, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Parce que nous sommes en l'Éternel. Nous vivons la parole comme il faut. Nous mangeons la parole, nous dormons dans la parole, nous nous réveillons dans la parole. Ce n'est pas être ravette d'église, hein, chers amis, hein, c'est pas ça. Hein. Des gens qui sont sans cesse à l'église et puis qui pensent que, parce qu'ils sont sans cesse à l'église ou qu'ils ont une fonction à l'église, qui sont dans le plan de Dieu, hein, c'est pas ça. Hein. Attention. Mais si nous nous considérons malades, spirituellement, et que nous consommons ce remède qui est une puissance de guérison pour nous, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et lorsqu'une armée se camperait contre nous, comme dit David, notre cœur n'aurait aucune crainte. Et si une guerre, si la troisième guerre mondiale vient à s'élever très bientôt, je serai malgré cela plein de confiance, même si je dois perdre tous mes biens. Parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. Donc si je marche dans l'intégrité, l'Éternel ne peut pas m'abandonner. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, pour avoir la foi, il ne suffit pas simplement de dire « Jésus, viens à mon secours, Jésus, viens faire ceci, ton sang est sur moi. » Non. Il nous faut apprendre à le connaître, à tenir compte de ses promesses, à croire qu'il est notre délivrance. Ça, c'est une chose, chers amis. Mais il y a une autre chose qui est aussi importante, c'est que nous savons que Dieu est la parole, nous savons que Dieu est le chemin, la vérité et la vie, mais il nous arrive de remettre en question, de mettre en doute les paroles de l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Ces promesses qu'il a établies pour nous, pour notre avenir, dans l'avenir. Et là est aussi un manque de foi. Et souvent, dans cette situation, nous nous trouvons ballottés à droite à gauche, séduits par l'ennemi, dira-t-on, parce que nous ne faisons pas, nous ne croyons pas aux promesses de Dieu. Et pour ceux qui n'ont toujours pas compris c'est quoi la foi, on va expliquer c'est quoi la foi pour aller vers la fin. Nous allons expliquer ce qu'est la foi. Et comprenez bien que nous ne sommes pas là pour cacher la vérité, mais pour dire toute la vérité, rien que la vérité. Il y a des passages dans la Bible que nous ne touchons jamais, ou que nous n'avons jamais touché, que nous ne voulons pas toucher, parce que le plus souvent, nous ne sommes pas en mesure de l'expliquer. Pour quelle raison encore? Parce que nous avons rejeté la vérité. Parce que les responsables ont rejeté la vérité, donc le peuple est dans l'ignorance. Et les pseudo-pharmaciens qui croient qu'ils sont plus intelligents que le Seigneur lui-même vont donner cet évangile à bon marché pour leur dire « Ce n'est pas important ceci ou cela.
La loi est abolie. Jésus nous sauve déjà. Nous sommes bien. Nous sommes en sécurité. Bref, cherchons à savoir ce qu'est la foi véritablement. Notez que l'évangile n'est pas magique et qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse accorder grâce et justice à chaque homme, c'est-à-dire rien qu'aucun homme puisse faire qui lui apportera le salut. En d'autres termes, l'évangile, nous est-il dit dans le texte, est la puissance de Dieu pour le salut, non pas la puissance de l'homme. Comme nous l'avions signalé tout à l'heure, ce n'est pas par nos œuvres, par notre propre force que nous y arrivons. Donc tout enseignement qui conduit l'homme à croire que c'est par ses propres forces qu'il peut y arriver, est un autre évangile. C'est une perversion de la vérité. Puisque la parole de Dieu nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Donc oui, la grâce de Dieu est sur nous, nous sommes sauvés par grâce, mais il nous faut le moyen de la foi pour que cette grâce fasse de nous de véritables sauvés. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Cela ne veut pas dire que les œuvres n'ont pas leur rôle à jouer aussi. Parce que lorsque nous sommes conduits par la foi, nous accomplissons de bonnes œuvres aussi. N'oublions pas cela. À tel point que la parole nous dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres, il nous faut le moyen de la foi. Et c'est lorsque cette justice de Christ habitera en nous par notre confiance en lui, c'est-à-dire par notre foi en lui, à ce moment-là, les œuvres que nous pratiquerons seront de bonnes œuvres. Et c'est ça l'évangile éternel. Donc, lorsque nous revenons sur le texte de Romains, le premier texte, Romains 1, verset 17, « Car en lui la droiture, c'est-à-dire la justice de Dieu, est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi », ceci nous montre que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu. Et cette justice nous aide à accorder de foi en foi. Ça veut dire quoi? Ceci nous amène à comprendre que c'est progressivement que nous parvenons à atteindre cette maturité. C'est progressivement que la justice de Dieu se révèle en nous. Parce que plus nous consommons la parole de Dieu, qui est la nourriture, plus nous découvrons les merveilles de Dieu, plus nous découvrons la vérité, donc nous avançons de progression en progression, qui signifie de foi en foi. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne savais pas telle chose, j'ai découvert dans la parole, parce que je l'ai consommée, j'ai découvert un point important, où l'Éternel me fait une recommandation à travers sa parole. Qu'est-ce que je fais? J'y crois, je mets en pratique, donc j'ai cultivé la foi, donc j'ai acquis une certaine connaissance de la vérité qui me permet de la mettre en pratique. Donc en cheminant progressivement, je découvre encore des merveilles dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je continue à y croire, je continue à les mettre en pratique, et à ce moment-là, ma foi grandit jusqu'à ce que je parvienne à toute la connaissance de la parole de Dieu. Illustrons cela pour que les choses soient encore plus claires. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu est un champ rempli de trésors. Et pour pouvoir trouver ces trésors-là, il faut que nous ayons confiance qu'il y ait des trésors dedans. Donc, nous fouillons la parole, nous fouillons le champ, et à chaque fois que nous trouvons un trésor, cela nous donne de la confiance pour pouvoir continuer à fouiller pour trouver les autres trésors. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, ça voudrait dire que
Le fait d'avoir trouvé un premier trésor nous donne l'assurance qu'il y a forcément d'autres trésors. Et que plus nous allons cultiver ce champ-là qui est la parole de Dieu, plus nous découvrirons des trésors dedans. Donc, ça nous permet d'avancer de foi en foi, de progression en progression, jusqu'à ce que nous ayons défriché tout le champ et que nous ayons trouvé tous les trésors qui nous amèneront à revêtir la justice du Christ. Donc, avoir la foi, ce n'est pas simplement s'arrêter au béaba de l'évangile, mais c'est de scruter sans cesse cette mine de trésors pour en découvrir chaque jour et que notre foi puisse grandir plus nous allons cultiver ce terrain. Donc, dans le sens contraire, si nous avons la parole de Dieu qui est le champ, et que c'est quand ça nous arrange que nous allons la cultiver, notre foi ne va jamais grandir parce que nous ne trouverons aucun trésor dedans. Pour quelle raison? Parce qu'on nous a appris à ne pas cultiver le champ qu'on a pour avoir des fruits purs, mais à aller chercher dans les grandes surfaces, c'est-à-dire chez les faux prophètes, chez tous ceux qui fabriquent de la nourriture à partir d'autres aliments pour nous nourrir. Est-ce que vous nous suivez clairement, chers amis? Donc, le champ que l'Éternel nous a donné, c'est sa parole, et il nous permet d'avoir une nourriture saine qui est un remède puissant, qui nous guérira de toutes nos maladies, qui nous préservera de toute infection, de tout virus que l'ennemi lancerait contre nous, qui nous empêcherait de revêtir la robe de justice. Donc la foi ne s'arrête pas en chemin. Lorsque nous avons commencé à travailler dans la mine de la parole de Dieu, notre foi ne peut pas stagner. Elle est obligée de progresser. Parce que plus nous découvrons, comme nous avons dit, plus nous sommes contents. Et plus nous sommes joyeux, plus nous avons envie de découvrir. Si nous ne cherchons pas pour nous-mêmes à être sauvés, la mort de Jésus sera vaine pour nous. Parce que nous nous contentons de peu, nous nous contentons de lait, alors qu'il y a de la crème et du miel qui sont là pour nous amener à rejeter le mal et choisir le bien. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous ne sommes pas convaincus de ce que nous lisons, nous ne sommes pas assurés que ce qui est écrit s'accomplira, nous n'avons pas la foi. Donc, nous comprenons cela mieux lorsque les Écritures nous appellent à développer le besoin de cultiver notre foi. Cette démarche est la plus essentielle que toute autre. Pour savoir, pour comprendre ce que signifie cultiver la foi, il faut savoir ce qu'elle est, comme nous disons. Nous ne pouvons pas inciter quelqu'un à cultiver la foi si elle n'a pas une vision claire de ce qu'est la foi. C'est logique, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que les Écritures sont là, l'Évangile est là, la parole de Dieu est là, pour nous permettre de savoir c'est quoi la foi. Donc, puisque la foi vient de la parole de Dieu, c'est donc dans cette parole que nous devons chercher la foi. Et nous avons un exemple. Vous vous rappelez du centurion romain qui vient à Jésus et qui dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et la parole de Dieu nous rapporte que lorsque Jésus a entendu le centurion, il fut dans l'étonnement. Et il raconta à ceux qui étaient avec lui, « Mais je n'ai même en Israël, c'est-à-dire ceux qui prônent connaître la parole, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Donc, de quoi il s'agit véritablement? Où est-ce qu'il y a la foi dans ce que le centurion a dit? C'est-à-dire que le centurion voulait qu'une certaine chose soit faite. Il voulait que le Seigneur la fasse pour lui. Mais quand le Seigneur dit « Je viendrai, je ferai la chose pour toi », le centurion lui a dit «
tu n'as pas besoin de venir. Je crois simplement en ta parole. Je crois au pouvoir de ta parole. Je crois à la puissance de ta parole. Je crois à la puissance du remède qui est ta parole. Donc, lorsque nous avons cette assurance que la parole va faire ce qu'elle dit, nous avons la foi. Par conséquent, lorsque la parole nous dit qu'il y aura une guerre mondiale, nous ne pouvons qu'y croire parce que c'est la parole qui l'a dit. Et nous voyons qu'aujourd'hui, la dernière église qui est l'église de Laodicée ne croit pas à cette guerre. Pourtant, c'est écrit. Donc, ça prouve bien que la majorité de l'église n'a pas la foi. Et c'est quoi la foi véritablement? La foi, c'est l'espérance que la parole de Dieu se réalisera. Et c'est l'assurance que cette parole fera ce qu'elle dit. Donc, puisque c'est ça la foi, et puisque la foi vient de la parole de Dieu, il devient évident pour chacun que la parole de Dieu est le moyen de nous inculquer la foi. Est le moyen de nous enseigner qu'elle détient en elle-même la puissance d'accomplir ce qu'elle proclame. En d'autres termes, la foi vient par la prédication de l'Évangile. Et cette prédication de l'Évangile vient de la parole de Dieu. Donc ceci veut dire que c'est elle qui est à l'origine de notre foi. Donc si nous ne la consultons pas, si nous ne tenons pas compte des événements qui sont prédits dans la Bible, nous sommes désolés, mais tous ceux qui n'y croient pas n'ont pas la foi. Voyons voir maintenant si nous avons la foi. Et rappelons-nous que selon Hébreux 11, il est fait mention de tous ceux qui ont eu la foi. Qui ont eu la foi dans la parole de Dieu. Donc pour savoir si nous avons la foi, nous allons reprendre un petit peu, rapidement, certains points que nous avions touchés dans différentes études. Et ceci va nous amener à réfléchir pour savoir si vraiment nous avons la foi. Donc n'oubliez pas que la foi vient de la parole de Dieu. Et que cette parole-là, c'est Dieu qui l'a donnée à ses serviteurs pour que ses serviteurs nous les transmettent. Ok? Donc ça voudrait dire que c'est Dieu même qui parle. Lorsque Dieu parle, nous devons obéir. Nous allons prendre un petit exemple tout simple au départ. Lorsque nous lisons le psaume 95, verset 6, le texte nous dit quoi? Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous accomplissons cette parole? Est-ce que nous croyons que c'est Dieu qui a demandé ça? Non, parce que pour la majorité des églises, maintenant nous prions facilement debout. Nous avons du mal à nous mettre à genoux. Et même Philippiens, lorsque nous allons dans Philippiens 2, verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Voilà des choses simples, chers amis. Des choses qui ne sont pas compliquées à mettre en pratique. Et pourtant, nous avons du mal à respecter la parole de Dieu. Nous avons du mal à obéir à la parole de Dieu et nous nous disons avoir la foi qui sauve. Nous avons un certain degré de foi, mais pas la foi qui sauve et nous allons le voir dans quelques instants aussi. Donc, voilà des points qui sont simples. Pourtant, nous n'arrivons pas à les mettre en pratique et nous crions sur les toits que nous sommes les enfants de Dieu, nous avons la foi. Avançons, corsons un petit peu la chose. Dans Ézéchiel 36, qu'est-ce que le texte nous dit à partir du verset 24? « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai dans tous les pays et je vous ramènerai où est-ce? Dans votre pays. » C'est qui parle? Le « je » c'est qui? C'est pas Ézéchiel, hein? Ézéchiel n'a pas le pouvoir de ramener quiconque. C'est l'Éternel qui parle. Il dit qu'il va ramener son peuple dans son pays. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va les ramener? Il va déverser sur eux une eau pure. Et il va donner un cœur nouveau. Souvent nous parlons, oui, l'Éternel va donner un cœur nouveau à son retour. Mais ce n'est pas à son retour que c'est écrit là, chers amis. Ce n'est pas à son retour que c'est écrit dans Ézéchiel 36.
Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Et le verset 28, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. C'est au ciel que nos pères ont été. Chers amis, réfléchissons bien. Avons-nous la foi? Non, nous ne l'avons pas, puisque pour la majorité, nous ne croyons pas Ézéchiel 36. N'y croyons pas. Pourtant, nous lisons, mais nous pensons que c'est symbolique ou bien que ça ne va pas s'accomplir, ou encore que ça va s'accomplir après les 1000 ans. Donc, nous avons un certain degré de foi, mais pas la foi qui nous permet de croire à la réalisation. Nous n'y croyons pas. Corsons un petit peu, avançons encore. Allons dans Jérémie. Jérémie 30. Lorsque vous lisez Jérémie 30, ça nous parle du temps de détresse. À partir du verset 5, 6, 7, 8, etc. Mais le verset 1 nous dit quoi? Verset 1 et suivant. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. Dit l'Éternel, je le ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, ils le posséderont. Deux prophètes disent la même chose. Et malgré cela, nous n'y croyons pas. Avons-nous la foi? Non, nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi puisque deux prophètes, et en fait on va dire tous les prophètes, ont dit la même chose. Malgré tout cela, on ne tient pas compte. On n'a pas la foi et on veut être sauvé. Comment pouvons-nous être sauvés si nous ne croyons pas à ces paroles? Et nous disons servir Dieu, nous disons croire en Dieu. Corsons un petit peu encore plus. Ésaïe 11, versets 11 à 16. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Pourquoi une seconde fois? Parce qu'il a étendu une première fois. À quel moment? Lorsqu'il a délivré Israël de l'Égypte. Cette fois-ci, il le fait une seconde fois pour faire quoi? Pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, etc. et dans les îles de la mer. Vous n'avez pas compris que c'est l'Égypte spirituelle. Nous n'avons pas compris ça. Donc, nous n'adhérons pas, nous ne croyons pas. Et qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va étendre sa main une seconde fois? Il va mettre aussi une bannière. Il va rassembler les exilés d'Israël. Lorsqu'il parle d'Israël et Juda, il parle des 12 tribus. Il va les rassembler des 4 extrémités de la terre. Et le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y eut une pour Israël le jour où il sortit d'Égypte. Donc l'Éternel est en train de nous dire, je vais répéter la même chose. Je vais mettre en place un second exode. Avons-nous la foi? Non, parce que nous n'y croyons pas. Et pourtant c'est simple, c'est clair et net. On donne ça à un enfant de 4 ans, il le comprend. Nous qui sommes plus grands, nous avons du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que, comme dit Paul, nous sommes déréglés. Nous sommes déréglés à 100% parce que nous n'arrivons pas à comprendre ça. C'est pas moi qui dis déréglé, c'est Paul. Allez voir Paul. Allez voir Paul, dites-lui pourquoi il a parlé de déréglé dans la Bible. Lisons quand même ce que dit Paul. Parce que souvent on le dit, mais il faut toujours avoir l'évidence de ce qu'on dit. Romains 1, verset 28. Le texte nous dit, « Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. C'est-à-dire au lieu d'accepter la vérité, le rejettent. Donc ils sont déréglés. C'est fort le mot, hein? C'est peut-être fort, hein? Mais nous sommes à 100% déréglés lorsque nous rejetons la parole de Dieu. Ok? Nous voyons encore une autre évidence. Poursuivons. Quand on parle de Zacharie 14, Zacharie 14 nous dit quoi? Voici le jour de l'Éternel arrive, où tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, la moitié de la ville est en captivité. Les pseudo-bergers qui ne comprennent pas ça vous disent que c'est de la Nouvelle Jérusalem. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura des femmes violées, chers amis. Les maisons de la Nouvelle Jérusalem seront pillées. Non. Donc, on n'a pas la foi, on n'y croit pas. Et Zacharie 14, c'est la guerre mondiale qui arrive là, qui est en train de se corser là à Jérusalem. Pourtant, malgré tous les signes des temps, nous n'y croyons pas. On est endormi. Et au lieu de considérer cette guerre de Zacharie 14, on la considère comme étant la guerre d'Armageddon. Voilà encore une preuve que nous sommes déréglés. Paul ne se trompe pas. Mais nous disons que nous avons la foi. Oui, nous avons un certain degré de foi. Nous n'avons pas la foi qui sauve. Donc lorsque le Fils de l'homme viendra, il ne trouvera pas de la foi en beaucoup. Puisque beaucoup de laodicéens refusent d'acheter leur part éprouvée par le feu, refusent de suivre les recommandations de l'Éternel.
et nous nous complaisons dans notre position comme si nous n'avons plus rien à apprendre. Regardez des choses qui apprennent dans la Bible et nous disons qu'il n'y a rien à apprendre, que nous avons tout. C'est ce qu'il dit souvent. Ah, nous n'avons plus besoin de connaître, nous avons tout. Si vous avez tout, pourquoi vous allez à l'extérieur? Pourquoi certains vont à l'extérieur pour aller consulter des pseudo-bergers qui leur dit d'abandonner ceci, d'abandonner cela? Donc nous sommes 100% déréglés. Voilà des évidences. S'il fallait mettre tous les textes, chers amis, on aurait passé une nuit entière à parler de tous ces textes-là. Donc voilà des évidences qui sont là, claires et nettes dans la parole de Dieu, que nous ne consultons pas, que les dirigeants ne nous poussent pas à consulter, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas cela. Donc ils ne peuvent pas vous l'expliquer. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Donc lorsqu'on rejette la vérité, c'est dans les rois qu'on est. Vous voyez notre problème aujourd'hui? Vous voyez pour quelle raison l'Éternel a posé la question, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Et comme nous avons dit, ce n'est pas sa venue en gloire, hein? C'est sa venue pour exécuter son jugement dans son temple. Donc avant d'exécuter son jugement, il nous amène à avoir confiance dans son plan, à nous assurer qu'il va faire pour nous au-delà de nos attentes, qu'il va nous ramener afin que nous soyons en sécurité. Il a prévu un plan. Et lorsque la guerre se fera, nous avons du mal à croire que cette guerre la mettra fin au scellement. Et nous disons avoir la foi qui sauve. Non, Dieu ne ment pas, chers amis. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il nous dit, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est qu'il y aura très peu de foi, très peu de personnes qui auront confiance en lui. Il nous parle des 54 000 qui seront scellés aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Ça non plus, nous ne voulons pas y croire. À tel point que on tord le sens encore d'Apocalypse, chapitre 7. Parce que ces gens-là qui ont été instruits seulement pour proclamer Jésus revient et l'amour de Jésus, mais rien d'autre. Et tellement beaucoup de personnes sont focus sur ça. Si vous ne parlez pas de Jésus dans vos études, eh bien, vous n'êtes pas un bon prédicateur, vous n'êtes pas un bon enseignant. Mais c'est Jésus qui parle là, et dans toutes les prophéties qu'ils ont, c'est Jésus qui est là. Hein? C'est Jésus qui est là, qui dit qu'il va mettre en place tous ses plans. Comment, nous ne voulons pas admettre que Jésus va frapper non plus. Mais nous voulons toujours entendre Jésus est amour, Jésus est amour. Mais lorsque Jésus dit je vais vous corriger, nous ne voulons pas entendre cela. Parce que nous n'aimons pas la correction. Mais nous aimons toujours Jésus est amour, Jésus nous aime. Pour arriver vers la fin, notez que Dieu nous a fait don d'un capital qui est la foi. Pour le comprendre, lisons Éphésiens 2, verset 8 à 10. Le texte nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, par le moyen de la foi. Sans le moyen de la foi, nous ne pouvons pas rester sauvés. Et remarquez bien ce qu'il nous dit. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, cette mesure de foi que Dieu a donnée à chacun est le capital que Dieu nous dote au départ. Lorsque nous avons cru, avant de nous faire baptiser, nous avons découvert la parole, il nous a doté de cette foi-là au départ. Et c'est là que tout un chacun, nous devons cultiver, exploiter ce capital-là qu'il nous a donné pour le salut de nos âmes. Donc si nous, comme nous disions tout à l'heure, si nous nous contentons simplement de ce capital qu'il nous a donné et nous ne cherchons pas à faire fructifier ce capital, comme l'ouvrier paresseux, « Ah, j'ai eu peur, j'ai été caché ce que tu m'as donné. » Ceci voudrait dire que si je ne fais pas la démarche de me nourrir de la parole de Dieu journalièrement, je ne peux pas acquérir cette foi qui sera progressive, puisque je reste un chrétien qui stagne. Donc forcément, celui qui stagne ne peut pas progresser de foi en foi. Et c'est la connaissance qui nous permet d'acquérir cette foi pour que lorsque les tribulations arriveront, nous soyons formés à travers la justice du Christ. À ce moment-là, nous revêtons la robe de justice. Pourquoi? Parce que nous avons cultivé à travers la parole de Dieu la confiance en Dieu, en fait. Nous avons acquis cette confiance en Dieu parce que nous avons cheminé avec lui progressivement. Donc, à chaque étape, il nous forme.
À chaque étape, il nous permet d'acquérir un degré de foi supplémentaire qui nous permet d'être justifiés par sa grâce. Donc, c'est en croyant véritablement à toute la parole de Dieu que nous sommes justifiés. Et c'est ça de foi en foi. Donc, de connaissance en connaissance, nous acquiesçons la force spirituelle de tenir bon dans la tribulation parce que notre confiance est absolument ancrée en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. Alors, chers amis, nous avons vu que sans la confiance, sans la foi, sans la confiance en toute la parole de Dieu, il nous est impossible de plaire à Dieu. Et lorsque nous ne plaisons pas à Dieu, il nous rejette. Nous avons vu que la foi ne consiste pas seulement à dire que nous croyons en Jésus verbalement, mais il faut que nous passions à l'acte, en ne remettant pas en question les paroles de Dieu dans la Bible, en nous ne rebellant pas contre les instructions que Dieu nous a données. Nous avons vu divers exemples où nous nous entêtons à faire comme la direction veut, comme les hommes veulent, et non comme Dieu veut. Nous avons vu que la foi ne consiste pas seulement à compter sur Dieu pour nos affaires personnelles, mais nous devons compter sur Dieu en tout temps, en toutes circonstances, même si le monde s'écroule autour de nous, même si nous perdons tous nos biens. L'Éternel est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et il nous relèvera. Combien de fois des hommes sont descendus au fond du gouffre et se sont relevés par la grâce de Dieu. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Nous n'avons pas n'importe qui. Nous avons vu aussi que notre foi consiste à croire à la réalisation des promesses de Dieu qui sont encore à venir. Et que ces promesses ne se résument pas seulement à son retour. Il y a tout plein d'événements qui doivent prendre place. Donc, notre foi, nous avons du travail, chers amis. Si nous n'avons pas encore cette foi, si nous sommes arrivés à un certain niveau, continuons pour atteindre le niveau d'excellence. Quand nous disons le niveau d'excellence, c'est-à-dire une confiance totale en la parole de Dieu, même si nous n'avons pas encore tout découvert dans la parole de Dieu, mais le fait que nous croyons que la parole de Dieu a ce pouvoir de faire tout ce qu'elle dit, nous avons la foi. Donc, continuons à garder cette foi-là. Ne doutons pas, surtout, d'aucune parole de Dieu. Ne remettons pas en question aucune promesse de Dieu. Ne transformons pas ce qui est littéral en symbolique. Ça, c'est un manque de foi aussi. Et décidons-nous de nous joindre à ceux qui prônent la vérité, non l'erreur. Parce que le temps est proche. Comme nous vous avons dit, celui ou ceux qui ne prêchent pas le message des trois anges et de l'autre ange ne sont pas dans la vérité, que vous le vouliez ou non, que ceux qui entendent soient fâchés ou pas. La vérité consiste à croire au message des trois anges et le message de l'autre ange. Et nous avons montré que le message de l'autre ange est venu par deux fois. Il a été rejeté. Donc ce sont ceux qui ont faim et soif de la parole qui vont le chercher, qui vont le trouver. Donc plaise à Dieu, chers amis, que nous puissions mettre notre confiance absolue en Dieu pour que lorsque le temps de détresse va commencer, que nous ne soyons pas perdus, mais que nous soyons trouvés du bon côté et que nous soyons aussi surtout sur le mont Sion avec l'Éternel, comme il l'a dit dans sa parole. Alors c'est là notre prière pour chacun de vous. Soyez bénis et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine étude par la grâce de Dieu. Amen. Amen.